et bienvenue dans Polomique, l'émission polémique et juridique du Master de Personnes et Familles qui cette année se consacre à l'effectivité de la protection de l'enfant. Dans le cadre de ce troisième épisode, nous avons choisi de nous intéresser à une notion qui irrigue tout le droit de la famille, j'ai nommé l'intérêt supérieur de l'enfant. Le doyen Jean Carbonnier définit l'intérêt de l'enfant comme le fait de répondre aux besoins estimés prioritaires pour lui au vu de son âge, de sa volonté, de son milieu. Le but poursuivi étant d'établir au mieux son bien-être physique, psychologique et social. S'il est devenu aujourd'hui une notion majeure de notre droit au XXIe siècle, l'intérêt de l'enfant n'a pas toujours suscité autant d'attention dans notre histoire occidentale. À Rome, l'enfant relevait du monde des choses, les res municipi. Cette domination de l'enfant et l'autorité parentale se retrouvent dans l'étymologie même de la notion. En effet, le terme « enfant » provient du latin « infant », celui qui ne parle pas. Pour saint Augustin, l'enfant est un être imparfait, accablé sous le poids du péché originel. Mais, en sacralisant la maternité, Rousseau, dans « Émile ou de l'éducation », a permis de poser un nouveau regard sur les enfants par la prise en compte de ses spécificités et par le souci de préserver son innocence. Pourtant, dans le Code civil de Napoléon, en 1804, il n'est jamais fait état des droits des enfants. Au contraire, l'intérêt de l'enfant dépend de ce que son père décidait pour lui. Il pouvait ainsi déterminer librement sa profession, sa religion et son mode d'instruction. Il faudra véritablement attendre les lois égalitaristes des années 1960-70 pour qu'en droit de la famille, la puissance paternelle cède le pas à l'autorité parentale, permettant aux enfants de se voir reconnaître des droits. Émergent alors les premières réflexions juridiques sur la place de l'enfant dans la famille, sur la manière de les considérer et de les aimer. Aujourd'hui, on ne peut nier que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est devenue un concept clé dans notre droit contemporain de la famille et qu'elle influe chaque jour davantage les institutions familiales où l'enfant y trouve sa place. Cette réalité se remarque par ailleurs dans l'utilisation abondante, voire même surchargée, qui est faite de cette notion, tant dans les textes de loi, dans les décisions de justice et dans les pensées doctrinales. Plus récemment encore, la notion a pris une toute nouvelle place dans notre panorama juridique, puisque la loi du 23 mars 2019 a officialisé la notion d'intérêt supérieur de l'enfant en droit pénal des mineurs. Cette introduction a ainsi relancé les débats de toujours qui planent autour de cette notion, et plus particulièrement autour de son insaisissabilité. À première vue, ce concept qui permet d'appréhender pleinement l'importance de l'enfant dans la société de demain apparaît comme la solution miracle qui permet de protéger effectivement cet être vulnérable. Mais elle n'en est pas moins marquée d'une très grande difficulté qui, aujourd'hui encore, ne trouve à être résolue. Et pour cause, à ce jour, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne trouve ni définition, ni caractérisation permettant de la cerner. Faisant ainsi de cette notion une notion molle, laissée à l'appréciation souveraine des juges. Nous pouvons uniquement l'assimiler à la notion de minorité définie en droit français par l'article 388 à l'âge de 18 ans. En ce sens, certains vont jusqu'à la qualifier de coquille vide, de fourre-tout, voire, selon le doyen Carbonnier, de formule magique. Ainsi, pour éclaircir cette notion si mystique, nous avons invité deux spécialistes de la question, Madame Florence Bélivier et Madame Nathalie Auroy. Pour débuter nos échanges, nous allons nous concentrer sur la réception des exigences internationales relatives à la protection de l'enfant par le droit français. En 1959, l'Organisation des Nations Unies élabore une déclaration dans laquelle la prise en compte de l'intérêt de l'enfant est inédite. En 1989, cette déclaration sera transformée en Convention internationale des droits de l'enfant, également appelée CIDE. Cette dernière ne sera d'application directe en France qu'après un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 mars 2005, soit près de 15 ans après son entrée en vigueur. Et pour cause, cette Convention internationale des droits de l'enfant est un tournant majeur dans l'histoire du droit des enfants, dont le paradigme est totalement modifié. D'un statut d'objet de droit, cette convention fait de l'enfant un véritable sujet de droit. Comment expliquer la lenteur de la France à ratifier cette convention et quelle a été la réception par le droit français de cette dernière ? Il est en effet très intéressant d'observer qu'alors même que la CIDE fait partie de ces traités très consensuels, hein, la CIDE est ratifiée aujourd'hui par 196 États, du monde, et alors même qu'elle est entrée en vigueur relativement vite, puisque vous l'avez rappelé, elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, eh bien, sa réception en France n'a pas été aisée du tout. Alors, le paradoxe, c'est que la CIDE est entrée en vigueur en France en 1990, à savoir un moment où l'idée que le droit international était supérieur aux lois internes était tout de même bien ancrée.
Alors, côté Cour de cassation depuis 1975, et le fameux arrêt Jacques Vabre, et du côté du Conseil d'État depuis justement 1989. Alors, pourquoi ce blocage jusqu'en 2005? C'est le très fameux attendu de principe que je vais lire. Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel, que son audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. On reviendra peut-être sur cette question de la motivation. Alors, depuis quasiment 20 ans, cette invocation donc directe, ce fameux effet horizontal direct, hein, c'est-à-dire que la CID peut être invoquée par les justiciables directement et pour régler leurs conflits horizontaux, des conflits de personnes privées. Cette invocation, sans être systématique, est extrêmement fréquente, on y reviendra, soit seule, soit au soutien de textes internes, soit à l'encontre de textes internes. Si aujourd'hui, le droit français emploie la formule de l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'origine, la Convention internationale des droits de l'enfant parlait de « best interests of the child », soit les meilleurs intérêts de l'enfant. Le droit français, en traduisant cette notion au singulier, laisse penser que l'enfant n'aurait qu'un seul intérêt. L'emploi de cette notion au singulier fait à la fois craindre la subjectivité des magistrats et la multiplicité d'interprétations. En effet, une cour d'appel a pu apprécier que l'intérêt d'un enfant était de revenir vivre chez son père, qu'il n'avait pas vu depuis son départ à l'étranger, alors que la cour de cassation jugeait que l'intérêt de cet enfant était de rester vivre chez sa mère dans lequel il avait un environnement matériel et affectif stable. Ainsi, Madame Auroi, pensez-vous que ces divergences d'appréciation qui traduisent la subjectivité des magistrats portent atteinte à l'exigence d'impartialité, garantie même du droit au procès équitable ? Il n'existe pas, vous l'avez dit, de définition univoque de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et il est donc difficile de déterminer ce que serait une appréciation objective, conventionnellement consacrée de l'intérêt de l'enfant. À mon sens, il existe toujours une part de subjectivité, que l'on soit dans une approche abstraite de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire dans le cadre d'élaboration de règles générales, ou qu'on soit dans l'approche concrète qui est celle du juge. En plus, les vases sont communicants. D'une part, les règles générales, vous le savez, évolue dans une certaine mesure en fonction des conceptions éducatives et morales de la société. D'autre part, quand on arrive dans une appréciation concrète d'une situation, cela mobilise la mise en œuvre de normes qui sont des présupposés et qui sont des présupposés implicites. Par exemple, pour le droit de garde, on se demandera quelles sont les conditions d'accueil convenables ou satisfaisante. Et parce que ces présupposés sont relatifs, effectivement, ça peut conduire à des traitements différents d'un magistrat à l'autre, mais ce risque est inhérent à la fonction de juger, à la justice humaine, et c'est peut-être aussi cela qui rend la justice plus humaine. Il est également vrai qu'il reste toujours une part irréductible, qu'il revient au juge de déterminer, avec bien sûr un aléa. L'intérêt supérieur de l'enfant est pluriel. Il peut par exemple s'agir de son intérêt éducatif, affectif, immédiat ou futur. Et il faut parfois au juge faire un choix entre ces différents intérêts pour dire quel est celui qui est le plus conforme à son intérêt supérieur. S'agissant des situations réglées par le droit, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour le juge. Et celui-ci dispose d'une grande liberté puisque c'est l'appréciation concrète à laquelle il doit se livrer relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Alors, cette notion ne veut pas dire qu'il peut tout faire. Et il y a un certain contrôle de la Cour de cassation, ce qu'on appelle un contrôle léger, c'est-à-dire qu'il va vérifier que le juge du fond a bien recherché, d'abord, que la solution qu'il envisage est la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et que le juge a expliqué en quoi celui-ci commandait sa décision.
Et la Cour de cassation censure ainsi les décisions qui, de manière substantielle, ne sont pas fondées sur cet intérêt. La part de subjectivité du juge, quand même, elle est à la fois cadrée et contrôlée. Le juge dispose d'un repère légal très clair qui lui est donné par le législateur. Il y a un certain nombre de textes. Cela facilite donc l'appréhension des situations juridiques par le juge, puisqu'il a la règle de départ à laquelle il ne peut déroger qu'en le motivant. Elle n'hésite pas, elle, à poser des règles abstraites pour définir ce qu'elle considère être l'intérêt supérieur de l'enfant, mais elle demande à ce que le juge national s'abstienne de motiver sa décision sur des considérations générales et abstraites, ce qui fait qu'au final, l'appréciation du juge reste très guidée et il n'est pas question pour lui de se soustraire ou de se substituer aux exigences conventionnelles. L'intérêt supérieur de l'enfant est utilisé dans des contentieux extrêmement variés. Cette notion n'étant pas définie, elle est utilisée à tout va et donnera lieu à de multiples interprétations selon la subjectivité des magistrats, d'où un risque d'insécurité juridique et d'arbitraire. La jurisprudence de la Cour de cassation est un véritable puzzle juridique et intellectuel. Plutôt que de définir une ligne claire en la matière, elle laisse le soin au juge du fond d'évaluer le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui donne lieu à de multiples interprétations. Le doyen Carbonnier déclarer en ce sens que l'intérêt supérieur de l'enfant est dans la loi, mais ce qui n'y est pas, c'est l'abus que l'on en fait aujourd'hui. De même, la professeure Françoise Dekeuer-Desfossés en parle comme une boîte où chacun met ce qu'il souhaite y trouver. On peut se demander alors si cette utilisation multiple ne vient pas désacraliser et vider de sa substance l'intérêt supérieur qu'est le droit de l'enfant. Sachant que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini par le droit, peut-on voir se dégager des critères d'appréciation? Et si oui, comment ces derniers sont-ils dégagés? Est-ce volontaire de laisser un flou sur cette question afin de laisser plus de marge de manœuvre au juge du fond? Tout le problème de la notion d'intérêt de l'enfant, si vous la comparez par exemple à celle d'ordre public, de bonnes mœurs ou à d'autres notions cadres, c'est que le juge n'est pas seulement conduit à définir un contenu non juridique ou non exclusivement juridique forcément controversé, mais à se mettre à la place de l'enfant sans le représenter. Pour moi, l'exercice du juge, toute la noblesse et toute la grandeur de l'exercice du juge, c'est précisément d'être capable de se décaler. La deuxième difficulté, c'est que l'enfant, c'est une réalité très hétérogène qui va du nourrisson de 2 jours ou même de l'enfant à naître, puisqu'on parle aussi de l'intérêt de l'enfant à naître, notamment dans la loi de bioéthique, qui permet depuis 1994 à l'équipe pluridisciplinaire de refuser une AMP parce qu'elle n'est pas contraire, parce qu'elle est, elle n'est pas conforme, excusez-moi, à l'intérêt de l'enfant à naître. Cela va de l'enfant à naître ou du jeune enfant au quasi-majeur. Il y a toute une série de contentieux dans le droit de la famille et hors du droit de la famille dans lesquels le juge est amené à apprécier cet intérêt de l'enfant. Il serait moins sujet de droit que sujet de conflit. Et c'est parce qu'il est sujet de conflit que cette notion d'intérêt de l'enfant, en tout cas horizontal, s'est développée de manière aussi effervescente en réalité. Comment le juge fait ? Cette question, je pense qu'elle est très pertinente parce que je me réfère ici à un auteur qui a beaucoup travaillé sur ces questions, Thomas Dumortier, et qui dit très justement, peut-être qu'on a du mal à définir l'intérêt de l'enfant, mais il suffit de se demander comment les acteurs s'en emparent, et notamment l'acteur judiciaire. Je me référerai ici à l'observation numéro 14 du Comité des droits de l'enfant, qui est le comité onusien qui est en charge de vérifier la bonne application de la Convention. Le comité dit que l'intérêt supérieur de l'enfant est un droit et pas un concept général. Ça, c'est intéressant parce que cela répond, on peut être d'accord ou pas d'accord, à l'objection sur laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant serait devenu une notion inutile parce que comme l'enfant est investi d'un certain nombre de droits fondamentaux, on ne voit pas comment on articulerait l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux. L'observation énonce que les décideurs politiques, pas seulement judiciaires, doivent se poser la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et que déjà, pour nous, ça nous paraît peut-être évident, mais déjà se poser cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est déplacer le regard. Toute politique publique doit être
évaluer en tenant compte de cet intérêt. Cette évaluation doit être faite in concreto et le comité énonce des éléments à prendre en compte. À prendre en compte, et c'est là encore une fois la grandeur du juge, c'est que lui-même décide de ce qu'il va prendre en compte. L'opinion de l'enfant, son identité, la préservation du milieu familial, le maintien des relations, la vulnérabilité spéciale, etc. D'accord ? Et tous ces éléments, il les mettra en balance et il choisira, d'où l'expression d'intérêt supérieur de l'enfant, parce qu'en effet, il peut avoir plusieurs intérêts et on va choisir le supérieur. Donc encore une fois, c'est tout sauf un fourre-tout en réalité. Hein, c'est une notion complexe, mais qui exige un doigté particulier. Et enfin, dernier point, des garanties procédurales minimales, énonce le comité. Respecter le droit de l'enfant à être entendu, établir les faits de manière objective, tenir compte de la perception, ça je trouve que c'est très intéressant, tenir compte de la perception du temps qui est différente chez un enfant et chez un adulte. Donc, en effet, la décision d'aujourd'hui, la décision qui est bonne aujourd'hui ne sera peut-être pas bonne dans 3 mois. Assurer une représentation juridique, disposer de professionnels formés, etc. C'est une notion délicate, mais c'est pas du tout une notion si floue que cela, au contraire. En droit procédural, l'intérêt supérieur de l'enfant s'est traduit par son droit à être entendu par le juge. Consacré à l'article 12 de la CID, il a été consacré en droit français à l'article 338 et suivant du Code de procédure civile. Il permet ainsi à tout enfant d'être auditionné par le juge en matière familiale. Pourtant, lorsqu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique, de nombreux points de tension apparaissent. En ce sens, dans un rapport de 2020, la Défenseure des droits constate un manque flagrant de formation des juges. En ce sens, comment remédier à cela ? Comment rendre le droit à la parole effective devant le tribunal ? Il n'est pas anodin, et vous l'avez dit tout à l'heure, madame, que les arrêts, les fameux arrêts de 2005, où la Cour de cassation a reconnu l'applicabilité directe de l'article 3.1 de la CIDE, étaient rendus dans des matières où c'était le droit de l'enfant à être entendu qui était en cause. Il constitue un des piliers, un des principes généraux de la Convention. Et en réalité, le droit interne s'est vite inscrit dans la ligne de cette convention. Et les articles du Code de procédure civile qui prévoient la mise en œuvre de ce droit étaient aussi étaient déjà en vigueur. Et quand, en rendant ces arrêts, la Cour de cassation a visé à la fois la Convention internationale des droits de l'enfant et les articles du Code interne, c'est bien qu'elle mettait en exergue, en fait, l'importance et le degré d'exigibilité de l'effectivité du droit du mineur à être entendu. Et il a été jugé pour plus de protection, mais aussi parce que les textes du Code de procédure civile le prévoient, que cette demande d'audition qui est formulée par le mineur, elle peut l'être vraiment à tout moment, et même, a dit la Cour de cassation, en cours de délibéré. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudra réouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de cette audition. Alors, il a été quand même précisé que, par la jurisprudence, que le juge n'est évidemment pas tenu de suivre la position que souhaiterait le mineur ou qu'il a exprimée. L'intérêt de l'enfant ne coïncide pas toujours avec ses souhaits, même si on voit que, très généralement, il y a quand même une coïncidence. Et en matière d'assistance éducative, donc pour la protection de l'enfance en danger, l'exigence est accrue puisque le juge des enfants est tenu de provoquer l'audition. C'est aussi naturel puisque dans cette matière, le juge est tenu de s'efforcer d'obtenir l'adhésion de l'enfant aux mesures qu'il prend. Alors, sur les conditions de cette audition, il a été jugé que lorsque c'est l'enfant qui demande à être entendu, que son âge ou même son intérêt ne peuvent être un critère du refus d'audition. Les seuls critères, c'est ceux de la loi, c'est-à-dire qu'il faut que la procédure le concerne, bon, ça c'est un peu le béaba, mais surtout qu'il soit pourvu de discernement. Et là, on arrive dans un domaine de subjectivité, effectivement, pour savoir apprécier si un enfant est discernant ou pas. C'est une question de fait
qui implique pour le juge une appréciation in concreto du degré de maturité de l'enfant qui lui permette d'exprimer ses sentiments. Et cette appréciation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire et il est tenu de motiver sa décision sur ce point et d'expliquer en quoi l'enfant n'est pas capable de discernement. Cela sera souvent déduit en pratique du climat de pression existant autour de lui et qui l'empêche de s'exprimer librement. Alors il est vrai que l'appréciation peut conduire à des pratiques disparates et notamment dans les âges où la discussion peut se faire. Bon, en dessous de 6 ans, ça ne sera pas trop discuté, mais entre 8 et 12 ans, c'est des tranches d'âge où il pourrait y avoir d'appréciation différente d'un magistrat à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines personnes militent pour la suppression de cette exigence de discernement, ou plus exactement, militent pour que l'enfant soit présumé discernant lorsqu'il demande à être entendu. Mais on n'en est pas là. Pour que le mineur puisse effectivement exercer son droit, il doit en être informé. Et c'est là peut-être que le bât blesse un petit peu, puisqu'en fait la loi prévoit que ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui informent le mineur de ce droit. Sur le déroulement de l'audition, on laisse l'enfant s'exprimer librement, puisque en fait, et c'est ça qui est important de garder en tête, c'est que l'audition a pour objectif de lui permettre de participer au processus de décision, mais non de faire de lui un témoin de la réalité de la vie familiale. Au sens de l'article 373-2-1 du Code civil, tout changement opéré par le juge concernant l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite ou d'hébergement, le juge doit prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, lorsque l'on regarde les décisions qui sont prises en cette matière, on se rend vite compte que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est davantage prise sous le prisme d'une analyse pratique des possibilités des parents à respecter au mieux leur enfant et à maintenir leur niveau de vie. Davantage que la simple prise en considération de la volonté de l'enfant ou alors de son attachement à l'un des parents, c'est la stabilité et la disponibilité des parents, tant sur le plan financier et matériel, qui est pris en compte et analysé par le juge sous couvert de cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant. De ce fait, malgré une neutralité apparente des juges concernant l'appréciation de la qualité d'un parent, il semblerait que apprécier l'intérêt de l'enfant dans ces questions ne revient-il pas en réalité à corrélativement dessiner les contours de ce que représente en droit un bon parent. La neutralité du juge, elle tient au cadre d'action du juge. Il a un cadre qui est donné par la loi et il doit s'y conformer. Et il y a le contexte du procès qui fait que les parties, il y a un principe du contradictoire et d'échange et il doit tenir compte des positions des parties. En partant d'un exemple précis qui est celui des juges aux affaires familiales et du contentieux de la résidence en matière d'autorité parentale, dans les textes eux-mêmes, il y a un certain nombre de critères qui ont été posés par la loi et que le juge doit prendre en compte. L'article 373-2-11 du Code civil contient donc une liste d'éléments que le JAF prend notamment en considération lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Au regard de ces dispositions, il y a une obligation de motivation du juge qui doit se référer à ces éléments, surtout s'ils sont invoqués. Et s'il ne le fait pas, il sera censuré par la Cour de cassation. Prenons également le cas de la résidence alternée. C'est peut-être un sujet où on peut craindre une certaine subjectivité, parce que le sujet divise l'opinion, il divise les experts. On a un texte qui est l'article 373-2-9 du Code civil, qui est issu d'une loi de 2002, qui indique la résidence alternée comme la première des branches de l'alternative offerte aux juges et aux parents lorsqu'ils doivent fixer la résidence de l'enfant. C'est donc une solution parmi d'autres. On n'a pas entériné en droit français le principe d'une résidence alternée comme mode privilégié de garde. Donc, l'intérêt de l'enfant sera examiné au cas par cas, au regard des besoins de chaque enfant, de la situation de chaque parent. Et l'examen des décisions des juges du fond montre que ceux-ci prennent en compte diverses circonstances pour accorder ou non une résidence alternée, l'accord des parents ou au contraire leur mésentente, l'adhésion de l'enfant, la distance des domiciles, etc., etc. L'éventuelle subjectivité des juges en la matière,
est tempérée par la nécessité de procéder à une appréciation concrète de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'un juge se réfère à des opinions d'experts pour formuler une règle abstraite qui serait, par exemple, il résulte de l'avis des psychiatres ou professionnels de la petite enfance que la résidence alternée pour les enfants en bas âge n'est pas favorable à son intérêt. Donc, on considère qu'elle est a priori contraire à l'intérêt de l'enfant. Il est évident qu'une telle décision sera censurée si, par ailleurs, le juge n'a pas procédé à une appréciation in concreto de la situation. C'est donc bien la nécessité de procéder à une appréciation concrète et motivée de l'intérêt de l'enfant qui préserve le juge de sa subjectivité. Il faut vraiment distinguer les présupposés de la règle la règle abstraite à laquelle le juge se réfère et qu'il doit appliquer de manière concrète, d'un jugement moral. C'est sûr qu'il y a des présupposés. Le droit de la famille, et en particulier les questions de résidence, etc., est traversé de considérations morales, mais bien au-delà de la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Depuis toujours, on a des bons parents, des mauvais parents. Avant, le mauvais parent, c'était celui qui, dans le divorce pour faute, était fautif. Ensuite, la société a fait qu'on a distingué le couple conjugal, le couple parental, etc. Donc, je pense que c'est extrêmement difficile d'avoir un droit de la famille qui soit totalement dépourvu de valeurs morales. Mais que l'important, c'est en effet de les déconstruire. Au lieu de jugement de valeur, c'est plutôt le contraire qui se produit assez fréquemment dans les décisions, c'est-à-dire que les juges s'attachent à mettre en valeur les qualités éducatives et relationnelles des parents pour essayer de faire avancer vers plus d'apaisement des relations. Il est constant que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant puisse servir de fondement juridique à des décisions de justice. Néanmoins, sa valeur n'étant pas arrêtée, la question d'une potentielle constitutionnalisation de cette notion peut se poser. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité portée devant lui le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel semble avoir affirmé une volonté de constitutionnaliser cette notion. Il avait dans les faits à se prononcer sur des examens radiologiques osseux menés sur un jeune homme d'origine guinéenne dont la minorité était discutée. L'article 388 du Code civil était ainsi soumis au contrôle du Conseil constitutionnel afin de déterminer si cette disposition ne méconnaissait pas l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant auquel était en l'espèce lié le droit à la protection de la santé. Ainsi, dans une formulation inédite, il indique, je cite, qu'il en résulte une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ma question est la suivante. Voyez-vous dans cette décision une volonté de constitutionnaliser l'intérêt supérieur de l'enfant? Et le cas échéant, voyez-vous dans une telle reconnaissance une réelle effectivité? C'est une décision qui a eu beaucoup de retentissement, parce que le sujet qu'elle traite déjà est délicat. Délicat et sensible. Vous savez que le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été transmise par la Cour de cassation pour savoir si l'article, alors je ne me trompe pas, 388. C'est 388, voilà, qui prévoit la possibilité de recourir à des examens osseux pour la détermination de l'âge, était ou non conforme à la Constitution. C'est la première fois où le Conseil constitutionnel a dit que cette exigence de protection était de nature constitutionnelle et qu'il l'a fondée sur les alinéas 10 et 11 du préambule de 46, alors qu'avant, il se fondait essentiellement sur l'alinéa 10 qui parle de vie familiale. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que les conditions qui entourait ce recours aux tests, aux examens osseux, était suffisant pour garantir le respect de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors pourquoi c'était important ? C'est parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel était la seule juridiction nationale, et peut-être pas la seule internationale, mais quand même, par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Cour de justice de l'Union européenne, il était encore le seul à ne pas s'être positionné par rapport à cette exigence de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc il était déterminant symboliquement, pour la portée qu'on donne à cette protection,
Et puis pour la place du Conseil constitutionnel dans l'ordre juridique international, de faire référence à cette notion. Comme on a pu le voir tout au long de cette conférence, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est l'objet de toutes les interprétations. La sociologue Irène Théry, dans une étude consacrée au divorce, a pu identifier diverses normes générales à partir de la jurisprudence relatives à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, l'enfant aurait besoin de ses deux parents. Concernant l'enfant en bas âge, celui-ci devrait vivre avec sa mère. Enfin, pour l'enfant qui n'aurait pu bénéficier de la présence de ses deux parents, il devrait vivre auprès de celui qui s'est effectivement occupé de lui. Madame Bélivier, selon vous, quelle solution devrait être apportée pour clarifier la notion d'intérêt supérieur de l'enfant? Davantage, pensez-vous que la Cour de cassation devrait se saisir de cette problématique? Je suis tout à fait contre l'idée qu'on rigidifie la notion. Les progrès pourraient être dans la prise de conscience de la position particulière du juge, non seulement par rapport à la société, aux attentes de la société, aux attentes des plaideurs, mais aussi par rapport à celle des experts, les différents experts, les experts scientifiques, les experts psychologiques. On va aller, déjà on est en plein dedans, mais on va aller vers une société de plus en plus expertale. D'accord. Donc il faut à la fois que le juge se forme au recueil de la parole de l'enfant, mais tout en préservant la singularité de la position du juge, qui est qu'il est précisément un arbitre entre des intérêts différents et qui ne doit pas coller à l'un à l'autre. Et que je crois que ce qu'on peut exiger de lui, c'est cette impartialité et la motivation de ses décisions. S'il y a un domaine qui restera, à mon sens, toujours en dehors de l'emprise de l'intelligence artificielle ou du règne de l'algorithme, c'est bien la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, car seul un juge pourra le déterminer.